Il est 4h du matin, je suis dans un état de fatigue indescriptible. On va pas tarder à aller à l'aéroport. Et je sens que je vais très très vite m'endormir. Je suis trop fatiguée. Alors, monsieur, raconte-moi un peu. Là, on est arrivé. Ouais. On est arrivé un peu tôt pour avoir notre chambre, mais on se promène. Là, on va manger dans une petite ville sympa. Ouais. Voilà, voilà quoi. Alors, on va où? Là, on va manger à la Casa de Inja, sur la recommandation de l'âme. Regardez les photos, ça a l'air top, ils font des grilles et tout. Et après, on va se balader dans Alfamar, on va aller voir des miradors, on va aller voir plein de choses. Plein de choses. Donc là, on s'est bien reposé. T'as fait la sieste? Ouais, de ouf, j'ai fait la sieste. Et là, on est prêt à commencer la journée à 16h30. Voilà. Let's go. Let's go. Premier repas authentique. Dans la vie, pourquoi choisir? L'un a l'air bon, donc je prie les deux. Aujourd'hui. Jour 2. Alors aujourd'hui, on sait rien, plus tard, ça va vraiment claquer. Donc là, on va commencer par aller prendre un bon petit déj. Je sais pas où, c'est à 80 l'adresse. Mmh. Et ensuite, on va aller à Belém, on va regarder la tour de Belém, on va regarder le quartier. On va aller au monastère des Ménites, un truc comme ça. Mmh. Et après, on va se balader tranquillement. Et sur le retour, on va à Alice Factory. Okay. Juste après, on sait pas encore. Comme d'habitude, quand il y a des fruits de mer, je ne peux pas résister.
bye. Du Christ roi sur le prix et ensuite on va faire un petit tour à la playa de Cristalis, prendre du bon temps, chiller un peu et après on verra en fonction de notre état si on va faire le château aujourd'hui et peut-être aussi faire le musée de la céramique que j'ai très très envie de faire. Alors là on arrive à Sintra et je pense que ça va être le bordel, il y a grave du monde, ça va être l'usine, concrètement ça va être. Mais t'aimes ça non? Non j'aime pas ça mais bon on n'a pas le temps, on est là, on va pas le faire. We'll be right back.
situation. Ça, c'est long quand même. Enfin, c'est après l'aéroport. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation? La situation, c'est qu'on a pris le premier train qu'on a vu Lisbonne. On est rentré dedans, sauf qu'il ne va pas à la gare Rossio. Il va à une autre gare qui est un peu plus loin. Donc... Après, on va aller là-bas, on va découvrir ce qu'il y a autour. Et voilà, c'est comme ça qu'on découvre aussi. On va prendre l'apéro. On va manger des tibolos. Juste avant d'aller déjeuner dans le centre commercial.
pizza champignons, truffes. La dernière journée, dernier après-midi, on va essayer d'aller à la plage en espérant que la plage soit meilleure que toutes celles qu'on est capables. Je pense que ça va pas être difficile. Il est 17h, il y a encore un peu de soleil, donc on profite des Wally Wallou. Là, on attend notre train. Qui va pas tarder. On va aller à Caichas. Je vois qu'il manque mes patates douces.